des histoires quoi. On racontera aux sars, ils trouveront ça pas bien. Ouais, donc finalement je sais pas les raconter. Alors que en fait eux quand ils racontent une histoire. Ah ouais c'est phénoménal. Absolument. Ouais. Les mecs, les blagues sur l'ACA, les blagues sur le Bessard. Ah oui, non, mais attends. Non, mais attends, je te rappelle quand même l'impact. Je te rappelle que le FACA est quand même beaucoup plus culture que... Culturel. Tout à fait, j'ai fini. Culturel. Ah, le distinguo est tellement de mise que tu l'as dans le baba. Parce que culturel, il y a turel. Oui. Et il y a surtout abêtissement de la culture en tant que telle. Absolument. Mais ça y est, ma culturel. Toi, tu es de parti pris. Mais bon. Ton père peut dire n'importe quelle connerie, tu vas être d'accord avec lui. Non. Il n'y a qu'un fils pour rigoler de blagues aussi baseuses. Comment, qu'est-ce que tu disais, Marc? Il n'y a qu'un fils pour rigoler de blagues aussi baseuses. Mais mets pas ta main devant la bouche, on ne comprend pas ce que tu dis. Ah, vas-y, regarde la caméra. Tu m'insultes. Oh merde. Va chercher. Rex. Bon, c'en est où cette affaire, les mecs? Attention, on va te déposer à Mondor. Tu veux un sucre avant de tomber dans les bras? Attends, tiens. J'avais Fred. Ah, quel enfant! C'est un petit sagé, ça va? Tu veux une bague maintenant? Non, mais ils veulent fumer! Non, mais. On déconne! Il n'y a pas de mal! Bah non, mais moi je parlais de ça! Jamais j'aurais rigolé sur mon copain Marc comme ça! Ah, bah, je sais bien! Il garde le sucre quand même. Je ne sais jamais s'il nous fait un malaise. T'as dit que les sars ne mentaient pas. Ne trichaient pas. Son nombre de photos de ce qu'on a pu faire, on n'a pas tout mis. Hein. Il y a des deux qui sont tellement trop intéressants. C'est tellement chiant. C'est contraire au sein de son intérêt. Et c'est tellement chiant d'écouter personne ne regarde un film. Hello, le jour où toi, vous mettez à poil sur internet avec une petite feuille de vigne qui tourne devant vous. Vous pourrez la ramener, franchement. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, mais les mecs, nous on l'a fait. Bah alors. Ça, on prend la photo, demain vous êtes sur le blog. Bah ouais. Non, mais c'est bien, ils font tout comme nous on l'a fait. Non, c'est facile. Mais il y a quoi qui tourne? La vie. Pour vous, ce sera une feuille de chaîne, suffira. Si on peut rester avec notre anatomie telle qu'on est. Ah bon? Tu veux faire tourner ton truc? Le problème, c'est qu'on vit dans cette époque où, à vouloir faire une provocation facile, on est tout de suite censuré. Voilà. Et après, on devient victime. Non, j'ai voulu le faire, mais j'ai pas réussi. Il dit ça, mais il le fera pas. Pourquoi je le ferai pas? Ça, c'est enregistré. Pourquoi je le ferai pas? Mais non, mais qu'est-ce qu'il veut, Pado? Et bien, demain, vous nous ramenez la photo, ton bout qui tourne, et il le met sur le blog. Ça fait un théâtre, on l'a fait, non? Vous le voyez? Ah, mais vous aviez un truc. Non, ça vient après, moi, parce que je l'ai fait.